Un jour, une dame du village, donc vous avez compris que je vivais dans un petit village dans la vidéo précédente, je vous l'ai expliqué, un beau nom d'ailleurs. Un jour, cette dame m'a dit: Floriane, je dois être honnête avec toi, je ne sais pas comment tu as fait. Je ne sais pas comment tu as fait pour transformer ta vie comme ça et pour t'en sortir. Je suis hyper admirative et honnêtement, chapeau, parce que c'était de loin pas gagné. Je voyais le pire pour toi et je suis tellement, tellement heureuse que tu aies réussi à tracer cette voie, cette destinée et à avoir créé cette vie magnifique que tu as maintenant. Bravo. Donc vous imaginez, quand on vous dit ça, vous dites: Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Merci, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu vois derrière que je ne voyais pas? Et qu'est-ce que j'ai fait de si extraordinaire finalement? Eh bien, cette dame, quand elle me l'a dit, j'ai regardé en arrière et je me suis dit: Ah, c'est pour ça que c'était aussi dur. C'est pour ça qu'il y avait autant de luttes, autant d'incompréhensions, autant de batailles dans ma vie. Parce qu'en fait, le milieu d'où je venais n'était pas du tout rose, c'était pas du tout un cocon doré, c'était plutôt assez sombre, assez malsain. Et quand on est dedans, c'est comme le nénuphar, hein, il ne se rend pas compte. Et voilà, donc c'était pour moi normal, habituel, mon quotidien, mais c'était de loin pas la vie normale pour les gens. Et donc, j'ai réussi à passer, comme je vous l'ai dit, avec mon sourire, mais avec autre chose qui était plus profond en moi, que j'ai découvert bien après, d'une enfance, pas jolie jolie, pas forcément que très heureuse. On peut même dire précaire sur certains points, avec un avenir qui était tracé pas folichon, pas chouette chouette, hein, même plutôt certains m'ont dit après qu'ils me voyaient vers une vie misérable. Et voilà, j'ai transformé ça à jeune adulte qui lutte, hein, combattante, rebelle, non, je veux pas ça. Et maintenant, à femme épanouie, heureuse, qui dit: Oh, mais la clé est quelque part et je l'ai maintenant en main. Et je transforme les choses avec magie parce que j'ai compris comment ça marche. Donc aujourd'hui, je suis hyper heureuse et j'ai une gratitude immense pour la vie. J'ai voyagé au bout du monde, j'ai rencontré des gens merveilleux. En chemin, grâce aux rencontres, j'ai appris énormément de choses. Je me suis formée dans plein, plein, plein de domaines passionnants pour grandir, pour évoluer tout le temps. J'ai pu rencontrer des clients aussi fantastiques qui m'ont fait confiance, ouvert leurs portes, ouvert leur cœur, ouvert leur vie, et ça m'a montré une expérience de vie. Ça a été un enrichissement fantastique. En chemin, j'ai fait aussi la paix avec la gente masculine et avec la gente féminine. Donc voilà, retrouver des relations harmonieuses avec moi déjà. J'avais pas compris que ça passait par moi d'abord, et puis après avec les autres. Donc voilà, une harmonie qui s'est installée dans les relations. J'ai aujourd'hui un merveilleux chéri avec qui on a une relation fantastique et c'est juste un bonheur, c'est un épanouissement quotidien. Voilà, je vis en Suisse, dans une région splendide, dans un pays juste extraordinaire. J'ai des relations géniales aux quatre coins du monde avec des gens époustouflants. C'est une richesse de vie. C'est un bonheur permanent. Une santé au top du top, malgré que ça n'a pas toujours été le cas. Je vis de mon activité, de ma passion. En plus, je permets à d'autres personnes de suivre la voie, de grandir, d'évoluer grâce à tout ce que j'ai vécu et transformé. Enfin voilà, ça c'est une source de motivation pour se lever le matin. C'est un bonheur immense. Alors ok, ça m'a pris 15 ans pour en arriver là. Ça n'a pas été que tout rose, que tout facile. Maintenant, je comprends pourquoi il y avait autant de luttes, autant de résistance. Mais l'important, c'est que tout ceci se matérialise enfin parce que j'ai trouvé en moi la recette, la méthode, les clés de mon bonheur. J'ai mis la lumière sur ce processus alchimique, ce processus de transformation qui m'a fait passer de misérable à youpi, j'aime la vie. Et ça c'est le cadeau de la vie que je souhaite partager avec vous et vous découvrirez dans la prochaine vidéo, eh bien, quelle est cette magie et comment vous pouvez aussi l'utiliser pour transformer votre vie. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est juste fantastique. Croyez-y, courage et plein de good vibes.